Yop les gens, j'espère que vous allez bien, moi perso ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc la seconde partie de la FAQ. C'était censé sortir 2 jours, 1 à 2 jours après la première FAQ, mais j'étais un peu occupé donc j'ai fait des lives et tout ça et j'ai changé beaucoup de jeux. J'ai été sur Minecraft, sur Overwatch, beaucoup de jeux comme ça. Et j'ai arrêté de Rocket League et j'avais fait une petite pause dans les vidéos aussi, c'est pour ça. Maintenant je reprends et j'ai préparé un peu mes prochaines vidéos, tout ça. Donc prochainement il y aura beaucoup de vidéos et j'ai beaucoup de sujets et de vidéos à vous proposer. Donc voilà. En fond vous voyez que c'est un gameplay de Overwatch. Je vous ai dit que j'allais changer de jeu. Donc j'ai mis un gameplay de Overwatch. Je vais juste vous expliquer vite fait comment ça se passe pour ceux qui connaissent pas Overwatch en fait. La première chose qui va falloir faire en fait, c'est un convoi qu'il va falloir déplacer vers le camp des ennemis et mettre le convoi dans le camp des ennemis à temps en fait. Donc voilà, pour que vous suivez un peu le gameplay. Donc voilà, on va commencer directement avec la première question de Fajai. Yo Swens, pourquoi t'es passé sur PC et les avantages de jouer à Rocket League sur PC? Pourquoi je suis passé sur PC? Parce qu'il y a plus de chances de, pas de percer, mais d'avancer dans la compétition sur PC. Et les avantages de jouer à Rocket League sur PC? Déjà sur PC, t'as moins de input lag. En gros, ta manette elle réagit plus vite à ta voiture en fait. Quand tu vas appuyer sur X pour sauter par exemple, ça va réagir beaucoup plus vite sur PC que sur PS4. Ça a pas l'air mais c'est comme ça. Deuxième question de Stormphonix. Yopswen, c'est pour la FAQ. Comptes-tu faire une team freestyle mais pour aider les gens qui débutent dans le freestyle ou tout simplement pour ceux qui ont besoin d'aide? Sinon continue, t'es super. Bah Stormphonix, je vais pas faire spécialement de team pour les gens qui ont besoin d'apprendre les freestyles. Mais mes freestyles sont faits pour que vous appreniez à faire des freestyles de vous-même en fait. Donc non, je pense pas faire une team freestyle pour aider les gens. Donc voilà. Question de Chromac. Salut Swens, comptes-tu faire un tournoi d'abonnés sur Rocket League? Ça se pourrait que je fasse un tournoi abonné sur Rocket League, mais faut que je prévoie en fait. Parce que si vous voulez un tournoi abonné, demandez-le moi sur mon compte Twitch, donc SwensMLG. Donc encore une fois, je vais mettre le lien de mon compte Twitch dans la description pour que vous pouvez aller voir. Et du coup, là, vous pouvez me poser la question si vous voulez un tournoi abonné ou quoi, et on pourra voir pour en faire un ou pas. Donc voilà, question de Naito. Comment t'es venu l'idée de t'appeler Swens? Alors l'idée de m'appeler Swens, ça date de 7 voire 8 ans. Quand j'étais sur MW2, quand j'étais trickshotter, j'ai été trickshotter pendant au moins 4-5 ans. Et il me fallait un pseudo en fait pour me créer un compte sur PS3. Vu que mon premier compte c'était un peu un nom de merde, je vais pas vous le dire mais bon. Donc du coup mon deuxième pseudo c'était Swens. Je l'avais pris comme ça en fait, ça a aucune signification. Aucune signification, c'est moi qui l'ai inventé. Et je trouvais ça assez stylé, donc depuis je l'ai toujours gardé. Question de Pat Boy, quel âge as-tu? J'ai 17 ans, Pat Boy. Question de Leskiller non skillé, comment fait-on pour pouvoir jouer à Rocket League avec toi? Donc comme j'ai dit, sur mon compte Twitch, vous pouvez aller me demander pour jouer avec moi. Et si j'ai de la place et si je suis dispo, genre que je suis pas en ranked ou quoi avec des amis, je vous inviterai et vous pourrez jouer avec moi. Question de The PewDiePie PVP 333. Pourquoi tu t'es mis au freestyle sur Rocket League et depuis combien de temps tu en fais? Pourquoi tu t'es mis au freestyle? Déjà, je vous ai dit dans ma ancienne FAQ que je regardais beaucoup les vidéos de Faki, de Jayzer, de Stuxy et tout ça. Et ça m'a donné envie de faire du freestyle aussi. Et du coup, bah, comme vous pouvez voir sur mes premières vidéos de Rocket League, j'ai sorti un peu des freestyles un peu merdiques, donc j'ai commencé avec ça, mais j'aimais bien, je m'amusais bien en freestyle, et du coup j'ai commencé et je continue toujours à freestyle. Et depuis combien de temps tu en fais? 5-6 mois. Question de Styles. Salut, bonne vidéo, comme toujours, et je voulais savoir quelles sont les meilleures voitures pour freestyler et décrire sur quel point elles sont bonnes, exemple pour airdrag, wallshot, etc. Quelles sont les meilleures voitures pour freestyler? Moi perso, ma meilleure voiture pour freestyler, c'est la Batmobile. Mais je trouve c'est une des voitures les plus difficiles à gérer en freestyle. Mais je trouve vraiment elle rapporte un côté fluide au freestyle et tout ça. Donc moi,
beaucoup la Batmobile et décrire sur quel point elles sont bonnes. Donc déjà tu peux choisir ta voiture sur la hitbox, donc le devant de la voiture en fait, comment ça dépend comment elle va taper la balle. Vu que la Batmobile c'est une voiture assez plate, quand tu vas taper la balle de face elle va monter très haut. Avec une octane c'est plus arrondi, donc ça va aller plus loin mais moins haut en fait. Donc en fonction de ça tu peux choisir ta voiture que t'aimes bien. Prochaine question de Mathias BL, tu jouais à quoi comme jeu avant de jouer à Rocket League? Je jouais à Smite, j'aimais beaucoup Smite, à Call of Duty, donc comme je te l'ai dit tout à l'heure, sur MW2, beaucoup de trickshots. En fait c'était que du Call of Duty à peu près, et un peu de... Ouais, que du Call of en fait, et du Smite, ouais. Mais j'ai pas beaucoup joué à Smite. Tristan, une question de Tristan Cord. Salut Swan, je voulais te demander si tu allais faire un tuto sur les frappes aériennes et si tu allais faire autre chose que du Rocket League. Bonne continuation. Alors oui, je fais quelque chose d'autre que du Rocket League là. Je propose du Overwatch, donc oui, dites-moi si ça vous plaît ou pas en fait. Parce que je sais pas. Donc dites-le moi en commentaire. Si tu allais faire un tuto sur les frappes aériennes. Un tuto sur les frappes aériennes. Sur les frappes aériennes, je pense pas faire un tuto exprès pour les frappes aériennes. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui les gèrent déjà, donc voilà. Question de Fade Graphics, est-ce que tu connais Faky? Tu fais des montages sur Share Factory pour la PS4 et sur ordi, j'imagine, After Effects. Bref, continue, tes vidéos elles sont géniales. Oui, je connais Faky, tu fais tes montages sur Share Factory, oui. Et sur l'ordi, j'imagine After Effects. J'utilise Sony Vegas. Bref, continue et tes vidéos sont géniales. Et voilà les gens, j'espère que ça vous a plu. C'est la fin de la FAQ. Je voulais juste vous dire que j'ai pas pu afficher les commentaires sur l'écran comme la FAQ d'avant. Parce que j'avais besoin de l'aide de Mesia et là, Mesia il est pas là, donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine les gars. Bye.